dans le cul. Madame la Présidente, ce n'est pas pour des raisons administratives que Madame Duclos a réquisitionné mon client à 1h du matin. Maître Dalfalco, pour la dernière fois, cessez vos sous-entendus. L'outrage vous pend au nez. Je dis simplement que vu que le 17 au soir, Madame Duclos était plutôt d'humeur câline, comment mon client aurait-il pu comprendre le 22 que l'interdiction d'approcher avait été restaurée? Ou alors la loi permettrait-elle à Madame Duclos de disposer de mon client quand bon lui semble? Accusez la victime d'être responsable de tous les tourments que votre client lui a infligés pendant que vous y êtes. J'accuse simplement la victime d'être une allumeuse qui ne sait pas ce qu'elle veut, oui. Maître Dalfalco. Vous êtes complètement malade, hein. Vous vous rendez compte de ce que ça aurait pu me coûter, vos conneries, là? Malade dans ma vie, ça j'en ai rencontré, mais des tarés pareils, jamais, jamais de la vie! Et les textos? On aurait fait comment si elle avait juste effacé les textos? Mais rien du tout, vous auriez rien fait, puis ça aurait été pour ma pomme! Chien! Et comme par hasard, mais alors, comme par hasard! Écoute, pauvre merde. Estime-toi heureux de m'avoir eu pour sauver ton cul parce que personne n'en voulait de ton dossier. Et tu sais pourquoi personne n'en voulait? Parce que tout le monde sait que t'es une grosse ordure qui bat sa femme et qui a probablement joué à Parsnibar avec sa gamine. Alors maintenant, tu t'écartes de mon chemin. Et surtout, tu pries pour ne plus jamais m'avoir à ta défense, parce que crois-moi, tu n'as pas idée du pouvoir que j'ai sur ta vie. J'arrive pas, je comprends rien à ce truc. C'est pas compliqué, tu rentres, tu pousses, tu sors. C'est comme les glaces pousse-pousse, tu sais, à la plage. Quoi, mais arrête, t'es chiante. Je flippe, là. Tu penses qu'il y a une chance que ça ne dévierge? Aucune. Allez, courage. C'est qui le con qui a inventé un truc pareil? Je sais pas. Monsieur Tampax? Ouais, bah tu vas lui dire que je suis à deux doigts de porter plainte pour viol, hein, parce que ça fait méga mal, son truc. Bon, t'inquiète, t'es encore mal demain en attaque. Je lui dis rien à mon père. Hein. Mais tu m'as prise pour une balance? Vite fait. Il faut que j'y aille pour Anna ou c'est bon? Surtout pas. Surtout pas? Pourquoi? Pourquoi surtout pas? Attends, elle a stipulé précisément que j'étais pas apte à gérer cette situation. Elle l'a mis par écrit, c'est ça? Oh! Mollo, Navarro. T'as trouvé ça, toi? Ouais. Bah, c'est formidable pour une femme de flic d'avoir à ce point zéro blague sur les flics. Tu veux déjeuner où demain? Bah, au KFC. Parce qu'il y aura du poulet. Ouais. À se coucher. Ah non, merde, demain, je peux pas. J'ai un déj de boulot. Sort, là. Oui. J'aurais un petit truc à te demander pour le boulot, un conseil. Je passerai te voir au bar. Ouais. Quel déjeuner? Écoute, je m'en souviens pas, c'est l'anniversaire de mon fiancé. On va déjeuner avec lui, là. Ah, oh, mais ça peut attendre, j'ai une récente rentrée. C'est ça. À toutes. Bonjour, je m'appelle Christiane, j'ai 40 ans, je suis boulimique et cocaïnomane. Enfin, ça, ça vous concerne pas. Sauf elle, là-bas, merci pour le tuyau. Bref. Bonjour, bonjour Christiane. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans et je suis anorexique. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 38 ans. Je suis nouvelle et moi aussi, je suis anorexique.
Je sais, c'est pas évident. Bonjour, Bruno, 40 ans, boulimique. Je tiens à vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, à quel point votre présence me fait bien depuis tellement de temps. Grâce à vous au programme, je suis abstinent depuis 5 ans. Attendez. Comme vous le savez toutes, aujourd'hui, c'est une séance de remise de jetons et je suis particulièrement ému, car c'est à Laura, dont je suis parrain dans le programme, que je vais remettre le jeton. Laura, qui vient de raconter son histoire pour fêter son abstinence depuis un an. Abstinence qui n'était même pas envisageable il y a 4 ans quand je l'ai rencontrée. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 31 ans. Je suis boulimique abstinente depuis un an. C'est bien la première fois que je passe un anniversaire sans me faire gerber à la fin. Bref, je suis passée par des phases différentes dans mon rapport avec la nourriture. On se présente quand on rentre ici. Ah ok, pardon. Bonjour à tous. Je m'appelle Shirley. Bonjour. Mais je comprends pas Shirley, pourtant vous êtes super beaux tous les deux. Je croyais que c'était pour la vie moi. Pour moi qui ai dégagé ce gros porc qui traite sa bite partout. Tu crois quoi? Tu crois que je vais rester avec un mec qui se tape tous les gros tout du coin? Ah ouais? Genre qui? Elle. Non. Je te jure, même qu'elle lui a mis dans le cul. Non. Non. Teubé. C'est fou d'être si grosse et si pute en même temps. Super fière de toi, t'es la plus forte. Excuse-moi. Laura, c'est ça? Mm-hmm. Moi, c'est Shirley. Je vous ai dérangée, je suis désolée. Non. Tout à l'heure. Mais puisqu'il faut se présenter, hein. Pas de soucis. C'est drôle parce que je crois qu'on se connaît. Shirley Hackmann? Oui. On était dans le même lycée. Enfin, moi, j'étais 4 ans en dessous de toi, donc on s'est jamais parlé, mais je vais quitter. Ah bon? Je suis désolée, je vois pas du tout. En tout cas, c'était vachement bien ce que t'as dit tout à l'heure. Et en t'écoutant, j'ai l'impression de te connaître. Tu vois, j'étais pas loin. Je crois qu'on est censé avoir une marraine dans le programme. Et je me demandais si ça t'intéresserait d'être la mienne. D'accord. Super. Tu dégages. Voilà, tiens, cette connasse de Shirley Hackmann. Ah non, non, non. Tu vas pas me faire ça, tu peux pas me laisser comme ça. Ça fait 15 ans, c'était trop dur, ça fait 15 ans que j'attends. Elle nous a même pas reconnus, tu te rends compte? Faut qu'elle paie. Je sais que c'est horrible ce que je dis, mais faut qu'elle paie, c'est pas juste. Putain, mais arrête de courir. Je sais pas, moi, on pourrait en parler autour d'une raclette, une fondue. Me dis pas que t'aimes plus la cuisine savoyarde, quand même. Je t'en supplie. Compte tenu de l'égale force physique de mon client et du plaignant et de leur pratique sexuelle extrême, il me semble que le rapport victime-bourreau n'est pas une évidence. Non mais c'est dingue! C'est quoi cette manie de défendre que des types qui tabassent leurs femmes ou leurs figurines village people? Et qu'il serait ainsi plus adéquat de nommer ce que le procureur qualifie de violence conjugale une simple altercation à domicile. Eh oh, regarde-moi au moins. Oh, elle est lourde.
Et j'ajouterais que nous souhaitions déposer une plainte pour destruction de biens, puisque la rixe a eu lieu au domicile de mon client. Mais moi aussi, je réclame justice. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Sardou, merde! Va pas me dire que t'aimes plus Sardou non plus. Maître? Maître! Je réclame justice. Mais vous faites quoi là? Oh, je vous parle! En vrai, pétasse! Attends, en même temps, c'est pas la mort. T'avais pas perdu un procès en 5 ans. T'es humaine. C'est même plutôt rassurant, en fait. Quoi? Oh! Shirley, c'est à toi qu'elle a fait du mal, pas à moi. En plus, elle a déjà payé. Je suis plus bonne qu'elle, elle a une vie de merde et elle me demande de l'aide. Alors si tu continues de bloquer, tu te trouves le double obèse de Shirley et tu lui pètes la gueule. Ou mieux, fais du sport. Mais fous-moi la paix avec tes conneries de vengeance. Cette fille t'existe pas pour elle. Elle pense que t'es qu'une anonyme au milieu de ton troupeau d'anonymes. Et elle va servir de toi pour quoi? Perdre 5 kilos? Demande-toi juste combien de temps t'as passé à penser à elle ces 15 dernières années. Shirley, je te connais pas, tu me connais pas, je te juge pas. Enfin, c'est pour ça que ça marche. D'accord. D'accord, pardon. Donc, il y avait tous les copains de ma petite nièce, des gamins de 6 ans qui pleuraient devant le buffet parce que je prenais toute la place. Je les montais les uns contre les autres, je piquais dans leur assiette. En tout, j'ai dû manger les 3/4 du gâteau, plus les petits dragibus. Tu aimes? Bon, du coup, je suis descendue dans la rue et quand je réussis enfin à me faire vomir entre deux voitures, il y a Madame Marx, ma voisine, qui passe. Alors là, je lui sors le premier truc qui me passe par la tête. Je lui dis, je suis enceinte. Sauf que cette idiote le répète à tout le quartier, y compris à mon mari. Alors, c'est déjà épuisant d'avoir à le cacher à mon mari, mais si en plus je dois mentir à tout le quartier... Tu te rends compte qu'il n'y a pas une seule rue du coin où je me serais pas fait vomir? Bref, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? Vaguement. Donc on va commencer par la première étape, dans l'ordre. Nous avons admis que nous étions impuissants face à la nourriture et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Mais moi, j'ai jamais été obèse. C'est un truc de gros, ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, je suis juste boulimique. C'est pour ça que je t'ai choisie. T'es la seule qui me ressemble dans ce groupe, sinon il y a que des vieilles goudous, des grosses au bout du rouleau. Toi, au moins, t'as l'air normale. Bon, en fait, je crois que c'est mieux qu'on aille directement à l'étape 8. Ah bon? Non, non, mais t'as raison, t'as pas l'air aussi grave que les autres. Je me rassure. Alors, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Alors, tu penses à qui? Ah bah comme ça, là, je vois pas... J'ai bousculé quelqu'un tout à l'heure dans la rue. Non, 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 je te parle de choses dont tu as vraiment honte. Des trucs que tu préférerais oublier. Je crois pas que j'ai envie d'en parler. Bon. Eh bien écoute, on arrête pour aujourd'hui, puis tu m'appelles dès que tu te sens prête. Attends. Bon.
En fait, à la base, mon mari, c'était le fiancé de ma meilleure amie. Depuis 10 ans, elle me parle plus, elle est en dépression. Très bien, quoi d'autre? Il y a quelques mois, j'ai fait croire à ma fille que son petit ami était homosexuel parce qu'il me revenait pas. Il avait une mauvaise influence sur elle. Du coup, elle est persuadée qu'elle rend les mecs pédés. Elle va chercher encore plus loin? Je vois pas. Mais je sais pas, quand t'étais ado ou enfant? Quand j'avais 11 ans, ma cousine dormait chez moi et pendant la nuit, je lui ai rasé la moustache. Et au lycée? Je vois vraiment pas. T'es sûre? Parce que moi, je pensais à un truc. Enfin, en même temps, je sais pas. Quel truc? Non, non, mais on a toutes fait des conneries au lycée. Bah, moi, non. Alors, c'est parti. Ok. Je suis là pour ça. Bon, on se parle demain. Essaye de te rendormir. Putain, mais c'est qui à la fin? Quelqu'un qui a besoin de moi. Avant, j'étais tout le temps déchiré, je voyais des flics partout. Bon, ça c'était normal. Mais là, je prends plus rien, t'es d'accord? Je prends plus rien, rien. Hein? Et je vois quand même des flics partout. Et ça, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que je vais bientôt me faire serrer, tu vois. C'est comme un pressentiment, tu vois. Mais non. Mais si, mais si. Et en plus, ils ont tous des têtes de gitans, là. Mais je les reconnais plus, moi. Tu vois, un vrai gitan, un flic qui ressemble à un gitan qui est devenu flic. Non, mais je te jure, ça se resserre sévère, là. Mais tu plaisantes, mais je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Puis moi, je peux pas faire 3 ans, moi. 3 mois, je veux bien, 6 mois, à la limite, mais... Puis il y a un gars qui m'a dit, enfin, encore un putain de gitan. Tu sais ce qu'il m'a dit? Hein? Ben, il m'a dit que si tu consommes aussi, ben, tu prends moins que si tu vends sobre. Tu comprends? Et ben moi, je sais ce que je vais faire. Je replonge. Je vais tout arrêter, de toute façon. L'abstinence, les réunions, les anonymes, là. Tu veux pas juste arrêter de dealer? Non, mais c'est pas ça. Je veux juste savoir si c'est vrai ce que m'a dit ce mec. Je risque moins si je prends que si je prends pas. Bah, ouais. Ouais? Mais oui. Ah, bah oui. Ah. Oh putain, c'est toujours aussi bon, cette merde. Je te dois combien? 2 grammes. 2 grammes? Non, mais pour la consultation. 2 grammes. Ah bon? T'es sûr? Tiens. Tu veux pas de test? Non, merci. Ça fait pas un petit trait, non? Ah non, 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 merci, moi j'en prends pas. C'est pas pour moi. Ah. Non, mais pour essayer, parce que tu sais, ça, des fois, il y a des trucs, c'est un peu de la merde. Là. Enfin, parce que je sais pas d'où ça vient, ça. Bon, bah tant pis. Je sais pas quoi te dire, j'ai peut-être compté un peu large. Ça dépend. On est combien? 4. Ah ouais?
Et j'imagine qu'ils sont pas au courant. Non. Et qu'après tu vas te ouais. faire. Mais qui croit que. Ouais. Mais pas que. Non. Alors qu'en fait. Ouais. Mais non. Ça se discute. Je peux utiliser ta salle de bain? Étage gauche. Laura, qu'est-ce que tu fais? On va pas. Je suis désolée, c'est compliqué pour moi les dîners. Si je commence, je vais tout manger. C'est qu'un coupe-faim, j'en prends pas autrement. T'es pas obligée de me croire, mais si tu préfères que je m'en aille, je comprends. Attends, attends. Attends, ça coupe vraiment la fin, ton truc? Bah ouais. Waouh! T'es sûre que ça rend pas accro, ce truc? Tu regardes trop la télé. J'aimerais que tu ne boives pas de vin à table, chérie. Fais-moi plaisir. Hein? Non, déjà, chez papa, j'en bois tout le temps. En plus, tu m'as laissé en boire à l'anniversaire de Jean-Michel. Et franchement, venant de la part de quelqu'un qui s'enfile une bouteille tous les soirs, je trouve ça déplacé grave. Je peux pas croire que Shirley est aussi chiante à son âge. Ah moi ça je sais pas. Bah vous étiez pas au lycée ensemble? Ah si. Oui. Mais moi j'ai fait une princesse. Laura elle était chiante. C'était de la provocation, admets-le. Elle arrivait en cours avec la tête comme ça, pas peignée. Hein. Elle refilait les mauvaises réponses à ceux qui voulaient tricher, hein, exprès pour qu'ils se plantent. C'était une teigne. Elle m'a même embrassée sur la bouche. On s'est tellement pourri de se la péter lesbienne pour faire jeune. On le faisait tout en 2009, maintenant c'est fini, hein, c'est un truc de bolos. Tu te rappelles la fiesta? Fiesta, non, attends, qui est-ce qui dit fiesta aujourd'hui? Il y avait des mariachi aussi pour vous accueillir. Mariachi. Chez Loïc. Loïc, c'est tellement rien que ça comme prénom, Loïc. Pourquoi pas Pierrick pendant qu'on y est? Quand les flics ont débarqué. En fait, si t'étais si cool, comment ça se fait que tu sois devenu comme ça? On leur a même fait du gringue tellement on avait peur. Que bon, maintenant tu vas te fermer, espèce d'abruti! Complètement malade. Attends. Déborah, je suis désolée. Plus rien, plus rien. Ça va? Ah merde. Non mais c'est une crise d'angoisse, t'inquiète. Quoi maintenant? Oh, ok, ok. Je passe dans une petite demi-heure. Non, je viens de chercher. Y a pas de problème. À toutes. Alors, on va où? Dans le bar d'un pote.
très cool, tu vas voir. Il y a un truc entre toi et mon mec. Quoi? Shirley, il est 2h du mat, je viens te chercher, faudrait pas abuser non plus. Pardon. Je sais pas ce que j'ai ça. Hein. Tu vas boire un coup, ça va te détendre. Puis la prochaine fois que tu mens à ta famille, préviens-moi. Je savais pas qu'on était meilleures copines au lycée. Que je connais pas. T'as l'air complètement bourré, allez-y, on y va. Non. Wow, c'est trop tôt, c'est ça. Tu arrives ou... Ouais, ça va. Ouais. Laisse-la faire. Mais ouais, on va pas passer des heures, là. Mais tu souffles, là. Si, c'est bon, il y en a un peu qui est rentré. T'es touche. Hop là! Et pour le chef! Alors là, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Connasse! Il y a des trucs qui s'excusent pas dans la vie. Quand tu peux plus te regarder dans le miroir, c'est qu'il faut agir. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme toi. Donne-moi à boire, s'il te plaît. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément, mais carrément que je vois le topo. Mais bien sûr, mais moi je vois pour le bar, tu vois. Les mecs, ils me disent, bam. Moi, je leur fais tac. Mec, ouais, hop, t'as une question, bam, tu la chopes. Bah oui. Toi et moi, avant, prenez ton réflexion. Maintenant, tac, il faut qu'on y aille, tu vois. On en a à peu près exactement au même endroit. Mais je crois que mon endroit, il est ici, putain. Il est ici, mon endroit. Faut que je le préserve. Mais toi aussi, t'as ton endroit. Mais toi, il est ailleurs, tu vois. Alors j'y vais. Dis-moi, t'hésites pas, mais tu traces là. T'es dépressé un peu. Je suis déchirée. T'as quoi là, une bichon? C'est pas ta copine qui se fait à moitié engrossée sur la banquette là? Ouais. Maintenant les mecs dans la rue ils vendent avec des machettes et des massues, tu vois, ça va te garder du feu. Ouais. Alors, je sais pas, trouve-toi un endroit plus tranquille. Une animalerie. Une maison de retraite, tu vois. Je te préviens, ta copine là, si elle fout du sperme sur mon canapé là, c'est elle qui raque. Hein. J'y vais. Bonne nuit, bisous. Attends, je vais pas boire. Bah, tu vis ta vie. Je peux pas faire ça, je suis mariée, c'est n'importe quoi. Bah, t'as envie ou pas? Ouais, mais... Eh bah, si t'as envie, vas-y. Ok, mais je vais où? Bah, chez lui. Il habite chez sa mère. Ils vont quoi? C'est chaud, là, je suis chaud. Je sais pas, va à l'hôtel. Ok, mais quel hôtel? Mais je sais pas, Charlotte, tu connais pas des hôtels? Pas ce genre d'hôtel. Tu peux pas juste nous accompagner? Oh. C'est chaud. J'ai pas de cash. Mais alors, fais une carte. Je peux pas. On a un compte commun avec François. Et lui? Bon, ok, vas-y. D'accord, ok. Tu veux pas juste m'attendre? Bien sûr.
J'imagine que vous avez rien à boire, par hasard. Je vous comprends pas. Pourquoi elle se refuse à lui alors qu'elle aime et que tout est arrangé avec la sœur? C'est à cause de son père. Tant qu'il n'a pas acheté la dot qu'il devait à l'autre avec les intérêts et que la sœur ne s'est pas mise en gage auprès de son frère, elle ne pourra jamais toucher aucun homme. Non, c'est pas simple. Je peux passer un coup de fil? J'ai plus de batterie. Derrière le comptoir. Allô? J'ai raté un truc? L'oncle est revenu. Cool! Non, pas cool! Ah merde! C'est pour vous? Non. Shirley? Non. 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 Francis, Mirza, Mirza. Arrête, non. Ça fait deux fois. Non, je suis pas d'accord. C'est pas bon, ça. Tu sais comment on appelle ça en anglais? The moustache? Non, on appelle ça flavor keeper. Mais j'ai tout fait, enlevez-le! Pauvre, pauvre. Il est mort? Non, il s'est endormi. Mais on s'en fout! Enlève-le, putain! Attends, deux secondes, je crois que c'est plus compliqué que ça. Il est encore en toi? Je crois, oui. C'est horrible. C'est horrible. Sors-le. Tout doucement. Pardon. Aïe. Okay. J'y vais, Jean. Stop, stop! Il est coincé! Pardon. Fais gaffe! Allez! C'est bon, tu peux remettre tes chaussures, on est déjà tous debout ici. Je suis désolée, je voulais appeler, mais... Anna, dépêche-toi. On y va. Mon père, il va te fumer, il est trop vénère. Allez, file.
Allô? Ouais, c'est moi. Attendez, attendez, je comprends pas, là. Pourquoi vous appelez pas sa mère? Ouais, enfin, je vois pas bien le rapport, mais... Ok. J'arrive. Oh, la relou. Elle a d'abord commencé par monnayer ses services à hauteur de 5 euros le baiser avec langue. D'après ce que j'ai compris, ça se passait près du gymnase ou alentour, enfin ce qu'elle appelle elle-même son territoire. Et puis quand elle s'est retrouvée à la tête d'un petit pactole, Anna a eu la brillante idée d'embaucher deux de ses camarades de quatrième pour faire le sale boulot, en ponctionnant au passage une commission de 3 euros sur les 5 euros encaissés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me figure bien l'embarras moral dans lequel vous devez vous trouver, mais je considère, ce cas n'ayant pas de précédent au sein du collège Jules Ferry, je considère qu'il s'agit ni plus ni moins de proxénétisme à caractère non sexuel sur mineurs de moins de 16 ans. Je ne vois pas d'autre solution que de la renvoyer de l'établissement pendant 15 jours. Anna, tu as quelque chose à dire ? Proxénétisme à caractère non sexuel, ça veut rien dire, hein. C'est comme, je sais pas, meurtre à caractère non vital. Ça n'existe pas. Tu la boucles, non. Cette histoire m'ennuie beaucoup, Madame Dafalco. Je n'ai pas de preuves formelles de ce qu'a pu faire Laura dans les toilettes, ni du degré d'intimité qu'elle entretient avec les garçons de son âge au sein de l'établissement. Mais la rumeur prend un tour absolument incontrôlable et je crois que pour rétablir la discipline générale et pour que l'environnement scolaire s'assainisse une bonne fois pour toutes, il serait bon que Laura ne se présente pas en classe quelques jours, disons une semaine. Voilà. Vous la renvoyez ? Pas vraiment, non, non. Non, mais on en a beaucoup parlé avec Madame Tabar, notre psychologue. Elle est tout à fait prête à recevoir Laura une fois par jour pendant cette semaine. Voire deux. C'est comme tu veux, Laura. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une réponse, ça. Hein? Laura, s'il te plaît. Laura, tu as la parole. Oui, il faut se prendre en main, là. Je peux pas gérer tout toute seule. Bien sûr. Hein? Tu me fais la gueule? Tu vas pas me faire la gueule pour ça, quand même. Tu t'es fait combien? Oh là là, je trouve ça vulgaire de parler d'argent. S'il te plaît, me fais pas faire ça. Je te jure, tu me fais ça, mais je te parle plus. Mais qui c'est qui a fait une connerie? Toi ou moi? C'est qui l'adulte? Toi ou moi? Tu veux qu'on appelle ton père, ta mère? Les deux? Tu t'es foutu la dent toute seule, je te signale. Je suis désolée. Je me rends compte que... ça se fait pas de traiter les femmes comme ça. Et moi, en tant que femme, bah j'aimerais pas qu'on me traite comme ça, quoi. Va se faire pousser les nichons. C'est bon, toi, espèce de crevard. Bon, on se calme. Qu'est-ce que tu fais, Anna? Tu peux te rhabiller, s'il te plaît? À poil. Oh, oh, silence. Ça, c'est ce que je te dois. Oh. Tiens. Ça, c'est pour ceux que je dois rembourser. Enfin, ceux qui ont payé pour Galoche, Edwige et Sonia. Bah, j'ai pas de monnaie, donc vous voyez ça entre vous. Je t'assure. Laura, ça va?
C'est la meilleure pote de ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait trop bizarre de te voir ici. Ça arrive. T'as vu ta mère ce matin? Elle va bien? Comme d'hab. Ma robe, quoi. Waouh. Ah, j'adore tes pompes. T'inquiète. Tu fais quoi, un 36? Il y a une paire mortelle aux objets trouvés, mais elles sont trop petites pour moi. T'as qu'à aller demander. Merci, c'est cool. Bon, on y va, on va être en retard en cours. À plus. Putain, tu la connais, elle? Elle est trop classe. Non, tu trouves? Mais grave. Tu penses que le papa, il va me tuer? Tu fous plus un pied dehors. Voilà, tu rentres directement après les cours, t'as 10 minutes après la sonnerie. Hein, les copines, les sorties, tout ça, c'est terminé, tu oublies. Et je veux plus t'entendre! Je veux plus qu'il y ait un mot qui sorte de ta bouche. Ah, et je veux plus que tu tapes des mots aussi. Ah, tu parles plus à qui que ce soit, d'aucune manière que ce soit. Et ce que t'as là sur toi, tu le gardes, tu te changes plus. Voilà, tu te démerdes pour le laver toute seule. Je me fiche que t'aies l'air d'une pouilleuse à l'école. Oh! Tu crois que je rigole là? C'est bon, viens. J'ai tout foiré. Ma fille de 13 ans a abandonné sa carrière de pute pour faire proxo. En plus, elle est conne, tu dis qu'avec un père flic, elle aurait pu au moins apprendre à pas se faire gauler. J'ai raté un truc, là. Arrête, on a toutes fait des trucs comme ça. Puis à cet âge, ça pousse de partout, tu pisses du sang, c'est compliqué. Tu vas me dire que toi aussi, t'as fait tapiner tes copines de classe? Je l'aurais fait si j'avais des copines. Tu peux nous dire ce que tu vois, Laura? Laura, c'est pour toi qu'on est là, tu sais. Si tu nous aides pas, nous on peut pas t'aider non plus. C'est parce que tu ne vois rien ou parce que tu as peur de dire ce que tu vois? Allez, Laura, il faut faire un effort, là, hein? Mais je vois une bite! Voilà, je vois une bite qui est dans un cul. Je vois une bite parce que c'est une bite. Alors pourquoi vous me posez la question si vous la voyez, vous aussi? Là, vous voyez quoi, vous? Nique-toi. Tu veux que je me nique? Merci. Quelqu'un veut partager, il reste encore 5 minutes. Bonjour à tous. Je m'appelle Shirley, j'ai 35 ans et je suis boulimique. Bonjour Shirley. Je suis boulimique. Je sais pas comment ça m'est tombé dessus. Je me rappelle qu'un jour, j'ai lu un truc là-dessus dans un magazine. Je sais plus quand. On disait à quel point c'était horrible, que des filles se faisaient vomir jusqu'à en mourir. Franchement, j'ai trouvé ça brillant. Puis on se dit que celles qui meurent, c'est celles qui vont trop fort. C'est vrai, tu manges trop, tu vomis, les compteurs retombent à zéro. Ça devrait pas être aussi simple. Mon mari est pas au courant. C'est pas parce que je veux le protéger ou une connerie comme ça, hein, mais depuis le temps... C'est le seul truc qui m'appartient vraiment. Et du coup, je crois que je suis pas prête à arrêter. J'ai pas envie. Pas parce que j'aime ça, hein. C'est l'enfer. Mon corps déconne complètement. Une fois, j'ai carrément une dent qui est partie avec... Mais je me dis que je suis comme ça. Et... Si j'ai pas ça, je fais quoi? J'ai pas le courage d'être autre chose que ça, moi. Le seul truc qui me fait peur, c'est de refiler ça à ma fille. J'aime à un point... Elle a 16 ans. Elle est magnifique. Mais elle est tellement... vulnérable. Je lui ressemble. Enfin, elle me ressemble.
Même sur les pires côtés. Je pourrais lui mettre des claques tellement je la connais par cœur. Je refuse qu'elle soit comme moi. C'est pas possible. Laura, excuse-moi, s'il y a un problème. Non, non, ça va. Bah non, ça va pas. Tu as compris mes messages, t'as lu tous nos rendez-vous. Regarde là, regarde. Je t'appelle là, regarde, regarde ring. Si je suis pressée, je veux que j'y aille. Ah ouais, donc, même pas drôle, donc. T'inquiète, je t'appelle. J'espère que vous ferez tout pour qu'elle se sente chez elle dans notre établissement et que vous vous rappellerez que c'est pas facile d'être nouveau, alors essayez de lui faciliter les choses. Oh non, vas-y, ils nous ont collé Laura dans le cul. Leslie, la prochaine fois tu sors. Ne touche pas, toi. Tu vas enfiler tes maladies. T'as faim? T'as trouvé ça où? Donne-moi ça tout de suite. Mais ils planquent tout au même endroit. Il fait pareil pour les cadeaux de Noël. Depuis quand tu sais qu'on planque les cadeaux de Noël? Vas-y, fais voir. Non, mais laisse. T'es sur Facebook, toi? T'as 13 ans? Mais laisse. Non, t'as, vas-y, montre. Tu veux voir tes photos? Mais j'ai pas de photos. Non. Je peux te dire un secret? On balance. J'ai demandé Déborah en ami. Ah, et alors, t'as répondu? Bah, je sais pas, puisque ça fait que 2 heures que je lui ai envoyé. Vas-y, fais voir sa page. Oh, sérieux? Non, mais tu connais des gens qui font cette tronchée dans la vie? Mais franchement, tu leur demandes si ça va, ils font cette tronche-là, pour répondre. Non, mais ça n'existe pas. Non, mais moi, je la trouve classe quand même, regarde. Ouais, bah ça te passera avant que ça me reprenne. Quoi? Mais laisse tomber avec cette fille, c'est elle qui devrait te supplier pour être ton amie. Tu peux pas la désamifier? C'est trop tard. Ah ouais, vous vous foutez bien de ma gueule, en fait, toutes les deux. Hein. C'est moi qui l'ai pris, je voulais lui montrer un truc. C'est pas ta copine. Ouais. Bah désolée, je bossais. Quoi, t'es sérieuse? Shirley, viens voir! Tu savais qu'on fêtait les 800 ans de la cathédrale de Reims cette année? Ah oui? On trouve rien dans cette putain de maison! Je sais pas ranger! Merde! Ah, t'as rien de sorti de là. J'en peux plus. Je veux de la pite. Voilà, je te dis. Je veux de la pite. Ah bien, il s'en reçoit. Il s'est coincé sur le prostate. Pardon. Oh, putain, je suis désolé, mais. J'étais tellement. Je suis une tête de con, quoi. Pardon. Pardon. Elle. Da 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 da.
Tu peux utiliser ton téléphone? Madame la Présidente, qui accusons-nous aujourd'hui? Mon client, Monsieur Larbi, est un homme reclus qui a recours à la prostitution. C'est une première, ça. Je me permets de vous interrompre, maître, car il me semble que vous ne défendez pas le bon dossier. Je vous demande pardon? Si je ne m'abuse, il s'agit du dossier 91206B. Votre client se nomme Bramly. Virgile, il comparaît pour attentat à la pudeur. C'est pas vous, le recollage passif? Bah non, pas aujourd'hui, non. C'est pas vous? Bah non, c'est pas vous, non. Madame la Présidente, j'ai passé une très mauvaise nuit. Pas te mentir, Shingar, il s'annonce mal ton divorce. Mais jusqu'à là, elle va tout te prendre. La maison, les gosses, la maison de tes parents à Delhi. Ah, mes parents, ça, c'est pas possible. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour tes papiers. Elle est française, ça pue le mariage blanc à plein nez. Dès que t'auras signé ça, ils vont essayer de te virer. Mais qu'est-ce que je vais faire, alors? Ben, je sais pas. Attends, je suis désolée. Ces papiers, là, c'est un aller direct pour Bréa. Bréa, c'est quoi, Bréa? Ben, c'est là où ils mettent tous les immigrés divorcés. La procédure légale, c'est qu'ils te gardent 2 ans. Travaux forcés, torture, et après, ils se servent de ton cadavre pour en faire des suppositoires pour que tu passes ta prochaine vie dans le cul de quelqu'un. Tu vas m'en faire de crise cardiaque, quoi. Shaitan. Oh, Shankar, on va trouver un truc. Oh.
Tu vois de quoi je parle ou pas? Tiens, regarde. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me rase? Ou j'attends que ça tombe? Qu'est-ce qui fait le plus chaud? Hein? Parce que si je me rase, ça veut clairement dire que j'abdique, je suis officiellement un mec chauve. Ou alors, je laisse pousser très long derrière, et après je ramène tout devant pour faire une frange. Hein? Non? Tu dis quoi? Je sais pas, je m'en fous. Mais tu vois, on peut jamais en parler de ce truc, c'est dingue! Moi, à chaque fois que je croise un type avec un postiche dans la rue, j'ai envie de lui dire « Mec, arrête! Tu trompes personne! Crâne pas, t'es chauve !» Tu devais pas tourner à gauche, là? Tu passes par où? Faut que je vérifie un truc. Mais t'es d'accord avec moi pour briser ce tabou? Moi j'ai envie de le briser le tabou. C'est pas une maladie d'être chauve, non? Qu'est-ce qu'on fout chez Vinny? C'est qui Vinny? Le mec qui tient ce bar. Voilà, on fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais. Et il y en a pour combien de temps? Je sais pas. Ça trafique ici? Bon, traficote, traficotouille, quoi. Ça traficouille? Réveille-toi. Oh. C'est lui, là, Vinny. Le gros, là. Ouais, c'est lui. Ah, c'est ta femme avec, non? Ouais. Hâte pour me. Je n'ai rien. Il va aller tout de suite, hein? Ah, c'est qu'il y a une vérité d'homme fébrile. Bonsoir. Salut. J'imagine que si t'es là, c'est que ma femme est pas loin. Donc si elle est pas ici, c'est qu'elle est dans une chambre. Donc ça sert à rien que je monte. Ça me fait rien. T'es sûr que c'est une bonne idée de rentrer chez toi? Je suis crevée, faut que je m'écroule. Des fois, ça s'arrange. Non. Devrait être en miettes, c'est absurde. Pourquoi ça sort pas, là? J'ai faim. J'ai que faim.
celui-là. Je suis épuisée, il faut vraiment que j'aille me coucher. Au revoir. Je veux juste que tu partes. Maintenant, j'ai déjà fait ton sac. Tu me connais, je suis pas une droguée. Je t'en supplie. Va-t'en. Non, je partirai pas, ça sert à rien. Baiser dans des hôtels à pute. Tu ramènes de la cam là où vit ma fille, putain. Faut que j'avoue, laisse-moi lui dire au revoir. Tu t'approches plus d'Anna. Tu dégages.
Soit on boit jusqu'à ce qu'on s'étouffe dans notre vomi. Mmh. Soit on fait un suicide collectif, mais sans bébé ou enfant en bas âge, c'est pas drôle. J'ai un bébé au congélo, si tu veux. N'y pense même pas, faut qu'elle mange. Je te préviens, si c'est pas elle qui mange, ce sera toi. Putain. C'est qui ? Ma mère. C'est dingue. Tu peux être sûr que quand il m'arrive une couille, elle m'appelle dans les deux secondes pour me dire que c'est de ma faute. Alors comment elle sait ça, je ne sais pas. Je ne lui dis rien. Je lui ai jamais rien dit. C'est un génie, cette femme. C'est la télépathie. Le seul truc qui l'intéresse depuis que je suis née, c'est quand même de me coller en thérapie. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, elle n'a jamais fait de thérapie, elle. Moi, ma mère, son expression préférée quand je lui raconte ma vie, c'est « c'est comme moi ». Elle commence toutes ses phrases par « c'est comme moi ». Mais je peux lui raconter une part tous, tu peux être sûre qu'elle va s'y retrouver. Hein. Elle est au courant pour tes problèmes de bouffe, toi? Ah, si tu veux, elle croit que je suis sa meilleure amie depuis que j'ai 5 ans, donc. Et toi? Non. Mais enfin, je suis sûre qu'avec ses antennes maléfiques, elle se doute de quelque chose. C'est une vision de l'enfer d'imaginer une conversation de plus de 5 minutes avec ma mère. Je sais pas comment tu fais. Et moi, je fais rien, c'est elle qui fait. Elle m'a même forcée à lui raconter mon dépucelage en détail pour pouvoir me raconter le sien après. Oh, la vache! Oh, c'est dur! T'avais quel âge? 19. Sérieux? J'étais persuadée que t'étais une des premières au lycée. Parce que c'est ce que je faisais croire. Mais tu parles! J'étais terrorisée! Tu te rappelles de Yann? C'était mon mec. Non, tu dois pas te rappeler, t'étais 4 ans en dessous. Bah, c'est pour ça qu'il m'a largué, ce connard. Parce que j'y arrivais pas. Après ça, j'ai fait un truc vraiment moche. Tu vois la grosse horrible qui traînait toujours toute seule, la pauvre? Mais si, tout le monde disait toujours machin dans le cul, là. Je sais plus comment elle s'appelait. Il y avait même une chanson. Elle a eu dans le cul. Aïe, elle a eu dans le cul. Aïe, elle a bien voulu. Si. Bon. Quand Yann m'a larguée, pour pas me taper la honte, j'ai balancé la rumeur qu'il l'avait reculée dans les toilettes. C'est devenu un truc énorme au lycée. Oh, tu te rappelles pas de ça? C'est pas possible. Pourquoi t'as jamais dit que c'était pas vrai? Ça a pris une telle ampleur au bon moment que je l'ai laissé faire. C'était juste drôle. Non, je m'en souviens pas. Je devais être trop petite. Et elle l'a eu dans le cul. Ah, elle l'a bien voulu. Ah. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Va t'arranger un peu. J'ai une surprise pour toi.
J'en propose à quelqu'un. Pas pour moi. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qui te prend? Bah quoi? Vous voulez que je vous laisse? Non, non, reste. On a peut-être quand même deux, trois trucs à se dire, non? Enfin, moi, j'aimerais bien te parler, en tout cas. Si je suis là, c'est uniquement grâce à elle. Mais si tu veux parler, on peut parler là. Moi, je suis en colère. Moi aussi, j'ai des trucs à te dire. Tu m'as poignardé dans le dos, tu m'as littéralement laminé, Shirley. Je te déteste. Ne dis pas ça, je suis désolée. Ça peut s'arranger. Je suis sûre que ça peut s'arranger. C'est pas possible. Ah, pardonne-moi, François, mais il me semble que ce genre de choses, ça se fabrique à deux. J'essaie pas de défendre Shirley, mais tu doutes bien qu'il y a des raisons plus profondes à ça. Et puis qui concernent que vous deux. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que vous êtes enfermés dans une sorte d'idéal qui fonctionne plus. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être ensemble, mais vous devriez l'être de façon différente. Donc c'est de ma faute si elle se fait baiser toute la nuit par des tocards. J'ai pas dit ça. Mais si elle l'a fait, c'est qu'elle en a eu besoin. Et ça, si tu veux continuer avec elle, tu peux pas l'ignorer. Mais c'est pas grave, hein. Y en a qui ont besoin de se déguiser, d'autres qui font ça dans des lieux publics, d'autres qui font des plans à trois. Moi, par exemple, si on faisait ça, là, tous les trois, ben, je vous jugerais pas. Je vous verrais pas, moi, comme un couple. Très drôle. Écoute, François, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste envie qu'on se retrouve, qu'on essaye de régler ça ensemble. Peut-être que j'ai envie de faire un plan à trois, moi. Y a pas de raison. Tu t'es amusé de ton côté. Moi aussi, je m'amusais. Bien sûr. Allons-y. T'as qu'à nous prendre tout de suite toutes les deux sur la table basse. Pourquoi pas? Je pense qu'on devrait le faire. Attendez, vous rigolez, là. J'ai pas du tout envie de ça, moi. Je veux qu'on le fasse. Ah.
C'est quoi tout ça? Je crois que tu vas en avoir besoin. Tu te rappelles pas de moi alors? Tu te rappelles pas parce que tu t'en fous? T'as jamais remarqué que peu te répète un truc puis tu te mets à y croire? Un peu comme toi hier avec François. Il avait tellement l'impression que c'était la solution que tu t'es dit peut-être. Alors que t'avais clairement pas envie de le faire. C'est un peu comme quand on traite de pute tous les jours. Au bout d'un moment, t'as l'impression que t'en es une. Ça te paraît dingue ce que je dis? C'est moi, Shirley. Tu sais très bien ce que tu m'as fait. Je sais pas pourquoi je déteste ce nom, mais là je suis contente de le dire. Laura dans le cul. C'est dur quand même. C'est dur.